Hey, Sainte-Vierge. Attends, là, je suis pas sûr. Avez-vous pas ouvert 90, là? Je suis pas tout à fait sûr qu'on lui rappelle son âge. 89. Christine a gagné. Moi, ouais, je pense que oui. Christine a raison. 9 décennies. Elle a 90 ans. Oh, pas ce que je viens de te dire, toi. 89. 89? Olivia, quel âge tu penses qu'elle a? Un tournée. Je sais pas quel âge qu'elle a. 90. 90? Tu peux faire. C'est pas ça, est-ce qu'elle tricote à cause qu'elle nous a tricoté une couverte? Je sais que Mémé Fournier fait des meilleures piles de pichoux qui a jamais existé, là. Elle tricote pas mal. Ah, puis sinon, elle écoute bien des émissions de cuisine. Elle aime bien sa messe. Activité favorite. Et sainte, à chaque fois que je vois là. Ouh! Du tricotage, ça, là, je suis sûr c'est ça. Là. Moi, je suis sûr j'ai 100% dessus, là. Yes. Attends, je sais quoi. Attends, je l'ai sur le bout de la langue, là. Ben c'est Cécile. Cécile, tu l'as eu en premier. Ah. Cécile. C'est pas ma mère? Ah oui, Cécile. T'as un hôpital. Un hôpital. Oh. C'est aux États-Unis. Madame Wasco. C'est David. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail quand maman Cécile avant? Comment est-ce qu'on est censé savoir? Je sais pas. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses qu'elle faisait comme travail? Tricoter. Faire du linge. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aime cuisiner? Déployer. Oh, ouais. Déployer. Bon. Puis, qu'est-ce que vous aimez le plus quand on va la visiter chez elle? Voir son genre, comme toutes les plantes, écouter moi, les j'ai, carottes. Moi, j'ai aimé... Ces carottes, les carottes là-bas sont super bonnes. Mm-hmm. Comme plus moi, j'ai aimé goûter les carottes, faire des quatre roues en arrière de chez elle et dessiner. Bonne fête, Madame Fournier, on vous aime. Bonjour, Carrie. Bonne fête, grand-maman Cécile. Salut, grand-maman, c'est votre petit-fils préféré. Ouais, je suis allé vous visiter cet été, là. Non, c'est pas René, non. Non, je restais à Montréal avant. Ouais, non. Non, c'est pas Denis. J'ai un nom d'apôtre, comment? Mon nom, c'est un des apôtres. Non. Non, c'est pas Pierre, non. Félicitations pour vos 90 ans. Bonne fête. Comment? Je reste à Ottawa. Non, c'est pas Alex, non. Bonne fête, mémé. Je vous souhaite une excellente journée, joyeux anniversaire, puis je vous souhaite beaucoup de joie dans cette période, puis j'espère vous revoir très bientôt. J'ai beaucoup aimé vous voir tout le monde cet été, fait que à très bientôt et bonne fête encore. Un nom composé, grandement. Ouais, non, c'est pas Jean-Patrick non plus. Bon, ben, bonne fête, mémé Fournier, pour tes 90 ans. Je te dis, je vous aime beaucoup, mémé. Mon nom commence par M, grand-maman. Hein? Non, c'est pas Michel, non. Bonne fête, mémé! Non, mon nom de famille, c'est Fournier. Non, c'est pas François ou Charles. Bonne fête, mémé, c'est moi, François. J'espère que tu vas passer une belle journée. Là. En toute sérieuxité, mémé Fournier, il faut que je vous dise... joyeux anniversaire, vous êtes la meilleure grand-mère du monde. J'espère qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes fantastique. Les valeurs que vous nous avez transmises, les étés qu'on a eus chez vous, les
les journées où ce que on a été vous voir, puis on avait du fun, de l'amour que vous nous avez donné pendant toutes ces années-là. C'est à cause de vous qu'on est, que ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Fait que, encore une fois, joyeux anniversaire, puis je vous aime. C'est Marc-André, puis je voulais vous souhaiter une joyeuse fête!